Voilà, dessin animé politologue. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo, cette conférence vidéo que j'enregistre actuellement le. Où est-ce qu'il y a quand même ? On n'a pas une notion du temps. On n'a pas une notion du temps. Où est-ce qu'il y a quand même ? 27, non ? Ouais, 27. 27 février 2020. Voilà. Pareillement, à quelle heure ? Il est quelle heure ? Bon, 11h29. Donc, je suis devant vous pour qu'on puisse commenter l'actualité politique de la Côte d'Ivoire à la nationale comme à l'international. Bon, quand il parle de national, c'est l'agression de mon collègue, un policier, qui s'est fait agresser par un policier en service dans sa tenue de policier qui incarne l'État de Côte d'Ivoire. A été humilié par un berbère. Voilà. Moi, c'est un berbère. Je ne sais pas si c'est un Libanais ou bien. Moi, c'est que sûrement, on les appelle les berbères. Ce n'est pas les blancs. Parce qu'en Afrique, vous confondez. Hein. Quand vous voyez un gars qui a la peau rouge ou même quoi, c'est un blanc. Non. Il y a les berbères. Il y a les jaunes.
y a les blancs, les asiatiques, bon, c'est la même chose. Voilà. Donc, ne confondez pas tout. Voilà, parce que ça, quand vous portez la confusion, ça peut jeter le propre ou le discrédit sur certaines personnes. Voilà. Appelons les choses par leur nom. C'est un berbère. Voilà. Bon, quand on parle de berbère, il n'y a pas de berbère au Liban, je ne sais pas. Le Libanais, c'est pas on appelle comment. Je ne sais pas si c'est des berbères aussi, mais c'est sûr. Moi, je parle d'un berbère. Voilà. Donc, on va parler de ça. Et puis, on parlera aussi de l'agression à l'international du RHDP qui s'est toujours illustré dans la violence. Vous voyez, quand vous dites, c'est votre mentor, Dramane Ouattara, qui a instauré la violence, qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Les gens pensaient que c'était pour le fustiger, parce qu'on ne l'aimait pas. Mais vous pouvez constater, que ce soit de la hiérarchie jusqu'au subalterne, c'est que la violence. Voilà, c'est que la violence. Mais il y a des gens qui viennent, qui font des vidéos, qui veulent justifier cette violence, et on dit c'est non-lieu. Si chez vous c'est non-lieu, en Europe, il n'y a pas de non-lieu. Hein. Voilà. Coup et blessure volontaire. Voilà. Et ça a été prémédité. Et on s'est glorifié. Quand tu te glorifies d'un acte que tu as fait, ça devient d'abord de la préméditation. Et ça devient d'abord coup et blessure volontaire. Voilà. C'est pas où vous avez fait votre école de gendarmerie, là, on ne sait pas où ça. Voilà. Mais on comprend. Donc, on va développer ce sujet. Et maintenant, je vais m'adresser aussi aux gens qui m'envoient des messages en inbox. Voilà. Et des messages souvent qui mettent des commentaires sur mes posts. Voilà. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. Dans mon esprit sombre. Ce n'est pas une injure. Voilà, c'est un constat. Voilà. Parce que j'ai remarqué que quand j'ai fait mes vidéos, il y a des gens qui se donnent en moralisateur. Voilà. Retenez un truc. Voilà. Dans la vie là. Les doigts là, ça ne se ressemble pas. Voilà, il y a le court, il y a le plus long, il y a le long, il y a le moins long. Voilà. Donc on n'est pas appelé à être la même chose. Et Dieu a assigné une mission à chacun de nous sur cette terre. Il y a des gens qui sont venus pour être bandits, jusqu'ils vont mourir dans ça. Il y a des gens qui sont venus pour être intelligents, jusqu'ils vont mourir dans ça. Donc on ne peut pas être la même chose. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait ici, la toile là. Voilà. Vous ne me connaissez pas, on ne se connaît pas. C'est sur la toile que vous m'avez connu. Voilà. Mais pour tous ceux qui m'ont côtoyé, ils savent que moi, j'ai un cœur blanc. Moi, s'il y avait l'argent, voilà, s'il était comme un Bill Gates ou bien comme, je ne sais pas, un Trump, il n'allait pas avoir de pauvres dans mon entourage. Je l'ai toujours partagé parce que je donne facilement. Même malgré, dans l'état que je suis là, je n'ai pas assez de moyens. Mais ici, à l'abri au monde, c'est un besoin. Mais quand quelqu'un m'explique un problème, je préfère me priver d'un plaisir et souvenir à ses besoins. Voilà. Donc, si Dieu, ayant vu mon cœur, et il m'a touché pour lui, toi, tu seras à me signer à cette mission, faire des vidéos pour pouvoir partager, pour pouvoir être la voix de 100 voix. Mais, il n'y a pas de mal à ça. Donc, ce n'est pas la peine de vous offusquer et me lancer des flèches pour dire non, tu es venu en France, ça fait 10 ans, on ne voit pas ton derrière, on ne voit pas ton devant. Hé, les gars, moi, je ne suis pas venu faire contourner quelqu'un. Hein. Voilà. Je ne suis pas venu faire concurrence avec quelqu'un. Voilà. Dieu bénit qu'il veut dans l'espace et le temps. Voilà. Donc moi, je ne suis pas venu pour faire concurrence avec quelqu'un. Voilà. Donc, quand vous faites votre programme, voyez-moi comme un invisible. Voilà. Considérez-moi comme le néant. Voilà. Ne vous comparez pas à moi. Voilà. Parce que chacun a sa mission sur cette terre. Voilà. Et tout n'est que vanité. Voilà. Si vous avez vos milliards, vous mourrez là, allez avec vos milliards. Voilà. Nous, on s'en fout de ça. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Et je vous ai tout dit dans mes vidéos. Moi, l'homme que j'ai respecté, c'est l'homme que son agent pourra lui donner la vie éternelle. Voilà. L'homme qui va mourir, qui va aller ses biens au ciel, pour lui faire chaud, qui a construit, boit de nuit au ciel. Là. C'est lui à respecter. Mais si tu meurs contre en terre comme un lascar chien que tu pourris, voilà. Tu n'as pas de leçon à me donner. Parce que chacun a sa vie sur cette terre-là. Voilà. Moi, je ne suis pas venu pour me comparer à quelqu'un dans cette vie-là. Tu es ton riche, c'est ton riche. Je suis mon pauvre, je suis mon pauvre. Voilà. Et puis la vie, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas appelé à réussir. Voilà. Chacun sa mission. Voilà. Donc moi, si je fais mes vidéos là, c'est pas la peine de venir écrire les conneries. Voilà. Parce que je n'ai pas vous écouter. Voilà. Et vous m'insultez. Non, tu n'as pas honte. Mais s'il y a honte là, il y a fait vidéo, il n'y a plus fait vidéo. Voilà. Mais comprenez que le gars, il ne vous calcule pas. Donc laissez-le en paix. Voilà. Chacun sa mission. On n'est pas, tout le monde n'est pas né pour être riche. Voilà. Si tout le monde était riche là, on a respecté qui? Si tout le monde était riche là, on a respecté qui? Le monde est fait ainsi.
Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des moins riches. C'est ça la vie. Voilà. Donc ne vous comparez pas à moi. Voilà. Si je suis dans une situation précaire, ça, c'est pas votre histoire, ça. Voilà. Ne vous appuyez pas sur mon son. Moi, je m'appuie pas. Pourquoi vous voulez forcément vous appuyer sur mon son? Par rapport à quoi? Vous n'avez pas vu moi ma vie. Voilà. Vous n'avez pas vu moi ma vie. Donc laissez-moi en paix, laissez-moi de ma vie, laissez-moi de ma vie. Voilà. Ça ne sera rien. Chacun a sa vie. Chacun a son destin. Voilà. Si Dieu m'a dit, il faut venir faire vidéo. Voilà. Il faut faire vidéo. Il s'est promis de faire vidéo. Voilà. Il s'est promis de faire vidéo. Voilà. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a mis du à faire des vidéos. Voilà. Donc ce n'est pas la peine. Vous pensez votre petit pic à la con, vous envoyez non, tu as fait 10 ans en France, tu es misérable, tu n'as pas ça, tu n'as pas. Mais c'est pas là pour faire concours avec quelqu'un. Voilà. Il y a des gens qui ont fait 30 ans en France et puis ils sont là, ils sont là. Rien. Moi au moins là, j'ai fait des vidéos pour parler pour les gens là. J'ai des bénédictions. Et c'est ce qui m'intéresse. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Prendre des bénédictions des gens là, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, tout ce qu'on a su là n'est que vanité. Voilà. Les gens qui meurent, qui sont riches et puis l'argent pour pas les sauver. Voilà. Donc moi, arrêtez de me casser les couilles. Voilà. Voilà. Ne vous comparez pas à moi. Voilà. Je suis rien, ne vous comparez pas à moi. Vivez votre vie, moi je vis ma vie, peinard. Si j'ai mon vélo, ça c'est l'essentiel. Ce n'est pas la peine de vous comparer à moi. Voilà. Ça c'était ceux qui mettent un commentaire sur mon Facebook. Là. Voilà. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Voilà. Je suis devant vous pour parler de l'agression de notre compatriote Soumarou Ibra. Voilà, sur son lieu de travail, à la porte de Fessaye, au salon de l'agriculture hier. Voilà des gens qu'on a toujours taxés des violents. Des gens qu'on a toujours taxés des violents, qui ont toujours nié les faits. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces militants du RHDP ont exporté leur violence inouïe à l'international. Sans scrupule, sans avoir la honte, être dans une civilisation et avoir recours à la violence au lieu du dialogue. Mais ce n'est pas Adjoumani qui me dira le contraire. C'est juste qui dit qu'ils sont les cadres, des cadres d'un parti. Mais en Europe ici, là, c'est la démocratie. Ce n'est pas une question d'Europe ou Afrique. Quand on parle de démocratie, tout citoyen a le droit d'interpeller un ministre, que ce soit de la manière la plus violente ou bien de la manière la plus passive. C'est son droit le plus absolu. S'il a été violent avec toi, il sait pourquoi il est violent avec toi. Voilà. Il va répondre de ses actes devant la loi. On a vu une vidéo ici où le président Nicolas Sarkozy, il s'est pris une grosse boule de gâteau dans son visage. Voilà. Donc c'est ça la politique. Mais vous, vous venez en Europe ici, un de vos compatriotes vous voit. Il n'est pas content de votre gestion du pouvoir. Il vous interpelle, que ce soit avec politesse ou pas. On s'en fout de ça. Quand tu es un homme public, tu assumes tout. Il vous interpelle. Vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Voilà. On dit, vous pouvez vous mettre dans une posture de vue et ignorer. Mais si vous vous mettez dans une posture de vue et ignorer, c'est comme si vous étiez lâche. Parce que comme vous étiez ministre, qu'un citoyen lambda de votre pays, votre compatriote vous demande des comptes, mais vous devez être en mesure de vous expliquer. On ne fuit pas le débat. Mais on a constaté que les ministres de Ouattara ont toujours l'habitude de fuir les débats. Et ce n'est pas Adjoumani, Adjoum Koko, Adjoum C, Caro White qui me dira le contraire. Le jeune Ibra, activiste, voilà, qui milite au GPS, parti politique du Sieur Soro, a eu l'occasion de croiser le ministre de la ressources halieutiques au salon de la culture, au salon de la culture à la porte de Versailles. Donc il a jugé nécessaire d'interpeller le gars pour que le gars puisse lui donner rendre des comptes. Voilà. Et le ministre, comme un bandit, se croyant en territoire conquis, il demande carrément à sa garde rapprochée d'arracher le portable de ce jeune homme. Monsieur le ministre, ici c'est en France. Hein. Ici là, si vous êtes violent en Côte d'Ivoire, ici c'est la France. Voilà. Tout citoyen ici en France a le droit d'interpeller un personnel public. Qu'elle soit ministre, qu'elle soit maire, c'est son droit le plus absolu parce que tu gères sa commune. Même si tu ne gères pas sa commune, tu gères son village, tu gères sa ville. Donc il a le droit de t'interpeller, qu'elle soit poliment ou pas. Il s'en fout des circonstances. S'il n'a pas été poli, c'est parce qu'il est furieux. Quitte à toi de le ramener à l'ordre. Mais j'espère que l'exemple de Macron ne vous a pas servi d'exemple. Voici Macron ici, qu'un Camerounais interpelle. Le Camerounais est tout violent. Macron, 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 Macron.
Donc Macron l'attend. Le président Macron l'entend. Et il vient vers lui, il vient se déplace en toute humilité. Il dit, messieurs, ne criez pas. Messieurs, ne criez pas. Je suis là. C'est quoi votre préoccupation? C'est ce qu'on dit, ouais, le savoir-vivre. C'est ce qu'on dit, ouais, la civilisation. C'est ce qu'on dit, ouais, être éduqué. Mais toi, ton compatriote, il t'alpague dans la rue, en train de te alpaguer. Mais la rue voudrait que tu sois courtois. Tu es un ministre. Tu es le reflet de la Côte d'Ivoire à l'international. Tu sais que tu dois donner l'exemple. Mais toi, comme un bandit, en territoire conquis, tu t'es cru, je ne sais pas où, je ne sais pas, à Bobo, arracher lui son portable. Comme un vrai délinquant, comme un vrai noussi. Mais je ne vous comprends pas. Vous venez en Europe ici, là. Et M. Adjumani, tu as dit la France est un exemple pour la Côte d'Ivoire en agriculture. Mais ce n'est pas seulement en agriculture. Donc, si tu prends la France comme référent, mais il faut vous conformer aussi à eux, leur comportement. Parce que le jeune Camerounais, là, lui, il s'est mis à crier. Le président Macron, on met au Cameroun. Macron, en toute humilité, il est venu vers lui dire, messieurs, arrêtez de crier. Monsieur, doucement, c'est quoi votre préoccupation? Mais qu'on est civilisé, qu'on est cadre, c'est comme ça qu'on se comporte. Mais vous refusez le débat. Vous refusez le débat. Vous ne voulez pas qu'on vous demande des comptes. Mais ce n'est pas ça. Pourtant, quand vous êtes dans l'opposition, c'est vous qui avez demandé des comptes à Gbagbo. C'est vous qui avez demandé des comptes à Gbagbo. Mais pourquoi vous êtes au pouvoir? Vous vous comportez comme des gens qui sont dans l'opposition. Mais ça se comprend parce que d'abord, un votre mentor, il n'a jamais fait la prison. Parce qu'un bon opposant doit faire la prison. Un bon opposant doit être chicoté, doit être giflé par les gens qui y critiquent. C'est ça l'opposition. On a été tabassé. Même ici en France, souvent on les tabasse, on les gaz. Mais vous, votre mentor là, il n'a jamais giflé. Il n'a jamais fait la prison. Donc c'est normal. C'est normal que ouais, la posture du président le supprime. C'est normal. Vous êtes au pouvoir, vous vous comportez comme des opposants. Des gens qui sont au pouvoir, qui se comportent comme des opposants. Nous, on n'a jamais vu ça. Vous êtes au pouvoir, vous vous comportez comme des opposants. C'est vous qui critiquez, vous critiquez l'opposition. Nous, on n'a pas compris ça. En temps normal, c'est nous, on doit vous critiquer. C'est nous, on doit vous critiquer. Mais c'est l'opposition, c'est le tenant du pouvoir qui critique l'opposition. Ça, vous avez inversé les rôles. Vous inversez les rôles. Ça, c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. Et vous êtes toujours en train d'humilier la Côte d'Ivoire. Mais c'est passé. Les gens, ils voient la vérité. Ils savent que si on veut faire une rétrospection, voilà. Ça montre. Parce qu'on dit, tu vas beau chasser le naturel, tu reviens toujours au galop. Va beau chasser le naturel, reviens toujours au galop. Ça prouve qu'en 2010, c'est vous qui n'avez pas gagné les élections. Et vous avez introduit la violence en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qui vous suit. Parce qu'on ne peut pas être violent jusqu'à l'extrême. Et vous avez trouvé un alibi fallacieux pour du Nord. Les gens n'aiment pas les Djoulas. Les gens n'aiment pas les gens du Nord. Raison pour laquelle ils nous frappent, ils nous tuent. Mais nous, en Côte d'Ivoire, là, en Côte d'Ivoire en politique, on n'a jamais vu deux bêtés se battre. Voilà. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, en politique, on n'a jamais vu deux bêtés se battre à cause de la politique. Même s'ils sont opposés, jamais. Deux bavolés se battent, jamais. Mais vous qui avez dit auparavant, qu'à cause de la politique, on vous frappait, on vous marginalisait. Mais moi, quand je vois des gens, des frères du Nord, pour des opinions différentes, vouloir s'entretuer, mais ça prouve que vous étiez dans le mensonge en 2000. Ça prouve que vous étiez dans le mensonge. Parce que comment un frère du Nord, tu vois son frère du Nord, tu n'es pas capable de le raisonner. Mais tu passes derrière lui et un coup de tête, boum, et tu t'en glorifies. Vous voyez comment le mensonge rattrape. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu un bêté, c'est pas un bêté à cause de la politique. Ça n'existe pas. Ils vont faire du dialogue. Ni un baoulé. Mais à savoir si vous avez les vrais du lot aussi. Voilà. Parce que nous, on sait que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas la culture de la violence. Voilà. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas la culture de la violence. C'est vous qui avez volé l'extrait de naissance de nos frères-là. Et moi, d'un moment, je peux jeter aussi le propre sur nos frères du Nord. Parce qu'en voulant être gentil, vous êtes qui dans votre Mali, dans votre Guinée, eux-là. Par hospitalité, parce que nous sommes hospitaliers, et vous ont donné eux leur extrait de naissance de leurs frères qui étaient morts pour que vous soyez ivoiriens afin de travailler. Mais par ingratitude, vous êtes accaparés de leurs biens et vous créez plus ivoiriens que vous, que eux. Donc c'est ça qui se passe. Sinon, deux ivoiriens du Nord ne peuvent jamais se battre. Est-ce que vous avez vu Soulé se battre à Amiral? Jamais. Mais ceux qui se font passer pour les ivoiriens là, du Nord là, qui attaquent les frères ivoiriens du Nord là, mais c'est qui se passe des frères ivoiriens? Parce que nous, on ne se bat pas entre nous. Ivoirien, c'est papa. On se bat pas entre nous. Voilà. Et voici la parfaite harmonie. Moi et Amiral, depuis 2015, on s'insulte. Hein.
Mais jamais on s'est battu. Jamais on s'est battu. Et jamais quelqu'un n'a battu son camarade. Et pourtant, on s'appelle, chaque matin, m'appelle, puis on se parle mal, et puis on défend nos positions. Il défend son water, moi, il défend mon babo, et puis on s'insulte. Et matin, encore, on coupe, après, il m'appelle encore. Jusqu'en 2017, on dit, mon champion, c'est quoi on fait? C'est puis on s'est mis deux, quand on cause, sinon, en temps normal, là. C'est que nos leaders veulent faire croire aux gens, là. Ils se disent, non, la politique, c'est la violence. Mais nous, là, on n'est pas violent parce que c'est nos leaders qui nous manipulent. Donc, encore, il s'est donné un exemple. On s'est mis ensemble. Voilà. Il ne s'est pas obligé de suivre cette idéologie, mais juste pour l'image. Montrer que nous, en Côte d'Ivoire, on s'entend. Voilà. Nous, en Côte d'Ivoire, on s'entend. Et c'est ainsi qu'en 2017, moi, Amiral et Taliban Choko, on a posé ensemble pour la première fois pour montrer une bonne image. Et moi, c'était ma mission. Moi et Amiral. Aujourd'hui, ça a pris forme. Voilà. Sinon, à la base, nous ne sommes pas violents. Mais c'est les politiciens qui nous manipulent. Les Adjoumani, là. Comment toi, un ministre, quelqu'un veut t'interpeller pour dire, monsieur, il y a eu des prisonniers, des députés emprisonnés en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi de ça? Vous sentez mieux à l'aise ici? Mais en tant que homme civilisé, le ministre, il faut comprendre à Ibrahim pour dire non, monsieur, c'est la justice qui fera son travail. C'est fini. Il a cette tête avec moi. Et qu'il n'est pas dit non, monsieur, moi, je ne suis pas juge. Moi, je suis là en mission pour tant de temps pour le sein de la culture. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas ministre de la justice. Mais comme un bandit, comme des gens violents, monsieur, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comme des gens bandits, des gens violents, arrache-lui son portable. Tu t'es écrit en territoire conquis. Mais aujourd'hui, maintenant, là, vous montrez aux gens que c'est vous qui avez fait un complot pour venir attaquer le jeune. Et toi, monsieur Adjouani, vous seriez attendu. Parce que, comme un bon lâche, vous n'assumez jamais quand vous posez vos actes. Ton caméraman, là, il a filmé la scène quand ce dernier se glorifiait d'avoir mis KO Ibra. Et comme vous avez vu que la lue, ou la fait par terre, Tu as supprimé ta vidéo en tant qu'un lâche. Mais quand les ministres, on assume. Mais pourquoi tu as supprimé? Tu as envoyé ton caméraman pour couvrir un événement. On ne doit pas supprimer. On ne supprime rien et on assume. Et les gens se sont vantés. Tu étais content parce qu'il y a eu gain de cause. Le gars, il t'a manqué de respect selon vous. Mais qu'est-ce que vous appelez manquer de respect? Un citoyen qui vient d'Europe, il demande des comptes à son ministre. C'est normal. C'est normal qu'il demande des comptes à son ministre. Si le ministre ne veut pas répondre, mais il faut répondre. Soit c'est vu et ignoré. Ici en France, ici, on dit, hey, monsieur le ministre. Et puis il passe, il s'en fout, monsieur le ministre. Et puis il s'occupe pas de toi. Voilà. Mais quand tu veux des juges, des civilisés, mais pas jusqu'au bout. Voilà. Macron vous a montré, pas plus tard qu'en un jour d'intervalle. On a vu pour Macron avant que pourtant se produise. Mais pour Macron, il a servi d'exemple. Parce que Macron, le Cameroun, a crié, monsieur Macron. Macron, en toute humilité, il est venu vers lui, monsieur, s'il vous plaît, ne criez pas. C'est quoi votre préoccupation? Vous voyez comment les blancs vous montrent que vous êtes des moins que rien. Et après, c'est pour mentir. Non, que c'est les blancs qui nous volent. Non, les blancs ne nous volent pas. C'est vous qui nous volez. Les blancs ne nous volent pas. Voilà. Les blancs, ils ne nous volent pas. Mais c'est vous qui nous volez. Et ça, on le voit par votre comportement. Parce qu'un ministre ne peut pas être vulgaire, violent. Et voilà maintenant, comme un bon lâche, il y a un gars qui s'est mis dans le problème. Issaka Ouattara, Traoré, comme un lâche, un petit bonhomme qui passe par derrière, même pour être Goliath. Quand tu supplantes en arrière là, forcément tu tombes. Non, il ne faut pas t'apprécier que tu as un médicament. Ici à Traoré, tu n'es pas un médicament. Moi, je marche par derrière. Je ne m'attends pas à tout coup. Il y a quelqu'un de Goliath, mais quelqu'un vient derrière moi. Il m'a scène un coup farouchement sur mon cou, je tombe. Et aussi mon Goliath, il tombe. Parce qu'il t'a surpris. En bon lâche dans le dos. Et tu t'en glorifies. Et maintenant, on pose le clapin sur toi. Tu dis non, mais pauvre, il est violent. Mais toi, ce que tu as fait là, tu n'as pas envoyé des fleurs. Vous voyez? Comment vous êtes bête, vous ridiculisez. Toi, quelqu'un qui violente quelqu'un, et tu le laisses pour moi, la police vient te brutaliser, tu ne sais pas, ils sont violents. Attention, comment bien, tu sais que ce n'est pas bon la violence. Tu sais que la violence n'est pas bonne. Mais pourquoi tu étais violent avec ton confrère? Tu pouvais passer autrement pour lui expliquer, pour lui dire non, monsieur, ne manquez pas de respect au ministre. Mais il n'a pas manqué de respect au ministre, il a juste demandé des comptes au ministre. Monsieur le ministre, rendez-nous des comptes. Il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce normal que des députés qui n'ont pas levé leur immunité soient emprisonnés? Jamais. C'est cette question. Il fallait qu'il réponde à sa préoccupation. Mais lui, comme un bon bandit, comme un bon lascar, arrachez-moi son portable. Mais tout traduit que vous êtes violent. Tout traduit que vous êtes violent en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui dépeint sur vous actuellement. Même à l'international, vous montrez que vous êtes violent. Vous croyez à bobo. Mais aujourd'hui, maintenant, à devenir comme un lâche. Parce que vous connaissez, vous les ministres, comme un lâche. Tu diras quand tu seras entendu,
tu le gardes à ce dernier, tu vas le lâcher. Parce que tu ne veux pas souiller ton image. Tu ne veux pas qu'on associe les blancs, associe ton image à des bandits. Tu dirais que ce gars-là, tu ne le connais pas. Que c'est, petit, c'est des petits rabat-joie, des petits griots qui sont venus là. Comme ils ont vu que les ministres étaient là au palais de, pas, au centre de la culture, au centre de la culture. Ils sont venus le soutenir. Tu dirais que tu ne le connais pas. Comme un bon lâche, personne ne vous connaît. Quand ça commence, déjà même, tu as supprimé la vidéo. Ou ils t'ont glorifié, tu as supprimé la vidéo. Mais ce n'est pas quand on t'entend là que tu as dit que tu le connais. Voilà. Or, pourtant, le monsieur, il a dit non. Personne ne pourra toucher à Benin tant que c'est là. Voilà. Et j'assume. Mais tout le temps, croit que c'est M. Adjoumani qui était le commanditaire. Donc, M. le ministre, il faut répondre de vos actes. Ici, ce n'est pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas ici. Voilà. Maintenant, toi, le Louba, là, le travail d'Issac, là, monsieur, tu vas répondre de tes actes. Voilà. Tu vas répondre de tes actes. Voilà. On dit qu'il va faire prison. Non. Monsieur les Blancs, s'il fait prison, ce n'est pas bon. Parce qu'on dit les sans-papiers. S'il fait prison, c'est pas bon ici, là. C'est pas bon s'il fait prison ici. Voilà. Parce que s'il fait prison ici, il pourra augmenter son palmarès pour dire, ouais, moi, il fait 10 ans à Bengue. Ok, il a fait 10 ans de prison. Mais c'est les Blancs. Ramenez-le en Côte d'Ivoire. Voilà. Même si là-bas, on le libère, c'est mieux. Parce que s'il fait prison ici, il peut se réjouir aussi. Son compteur de Bengue augmente. Il va dire, ah, moi, il fait 2 ans à Bengue. Il va pas dire prison. Ah, moi, il fait 3 ans à Bengue. Et puis, il peut s'intégrer en prison. Voilà, parce qu'il peut s'intégrer. Donc, monsieur le ministre, là. France, la France, là. Le gars là, quand on finit d'entendre, on le ramène en Côte d'Ivoire. Voilà, ramenez-le en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est sans papier là. On a des postures à tenir. Voilà, on se prend pas tout permis. Mais comme vous êtes idiots, vous êtes des illettrés. On ne vous a pas mis à l'école. Voilà pour laquelle vous croyez tout permis. Quand on est sans papier, on se comporte, on se cache. Loin des regards inquisiteurs. Et on n'est pas violent. Voilà. Mais vous, les gens, vous mettez des mains. Devant parce que vous êtes illettré et tu t'en vantes, tu te glorifies. Non, il est fatal, mais tu l'as fatal comment? C'est en lâcheté. Même moi-même, j'ai animé le Goliath. Je donne dos, je marche, je ne m'attends pas à quelqu'un. Il vient, il sort de main, un coup de poing, là, boum, il prend sol en même temps. Il prend sol, c'est pas blanc. Il n'y a pas de médicament de ça. Il prend sol, donc il ne faut pas déjouer les guerriers. Non, je l'ai mis un coup. S'il revient, quand il fait dormir, mais ça, c'est la lâcheté. Pourquoi, quand vous étiez pour la première fois, hors du coin, vous étiez en face, pourquoi vous n'êtes pas baisé? Pourquoi vous n'êtes pas fait une attaque frontale? Et comme des lâches, le gars il donne dos, il s'en va, vous passez derrière lui, vous l'assénez un coup. Un coup. Et toi la reine m'a appelé, c'est en direct là. Vous l'assénez un coup, comme des lâches. Mais il y a beaucoup de complices, même Gouza Naounou, voilà. Elle est complice aussi. Voilà, c'est tout ça, c'est de la préméditation. Voilà, elle dit, elle c'est une bobolaise. Que à Bobolé là, eux là on le connaît. Donc on sait que la Bobolé sont des violents. Donc tout ça là, on doit saisir la justice française et demander au GPS de mettre un avocat, un bon avocat assermenté pour qu'on puisse prendre tous ces rabat-joie là pour les découvrir. Parce qu'eux ils sont en France et ils se comportent comme des broussards. Et c'est eux qui ont donné la parole aux gens. Toi Gouza, t'es sèche André Magne là. C'est toi qui as venu, tu vis en France. Est-ce que les Français se comportent comme ça? Tu as vu les Français, les blancs que tu suis dans les TV5, dans les BFM. Est-ce que tu as l'habitude de se battre encore à Djoumani? Ou bien encore les Macron, ils ont un coup de poing. Jamais de la vie. Et c'est toi qui as fait, tu as t'en vanté pour dire, ouais, nous on est dans la Bobolais. Nous on va tous les frapper. On va tous les frapper à Paris ici. Ma chérie, ta vidéo est là. Ça là. Ta prison est claire. Mais lui qui a tapé là, lui, il ne faut pas lui mettre en prison. Vous voyez, moi c'est moi-même ça. Ça tombe, me fait mal même. Il ne faut pas le mettre en prison. Demain, on le met dans l'avion, il n'a qu'à en Côte d'Ivoire. Voilà. Là-bas, on va délibérer, mais c'est mieux là-bas. Parce que prison de Bengue est Côte d'Ivoire. C'est mieux d'être en prison ici. Hein. Et ici, tu manges bien, et puis c'est affrayant. Mais si il y a frère, tu as le froid tranquille, tu dors, puis tu rates la prison, on peut te prendre visite. Pas qu'en Côte d'Ivoire, mon cher, c'est une prison assez nouvelle. Donc, monsieur l'autorité française, le gars là, si on a entendu, garde à vue, on les libère en Côte d'Ivoire, on le met en avion, on ne veut pas de lui ici même. Voilà, personne ne le met en prison, ça va trop me faire mal. Si on l'a mis en prison, ça va trop me faire mal. Parce qu'il va se glorifier pour lui, moi j'ai fait 5 ans de Bengue, ok, c'est 5 ans de prison. Il a fait 5 ans de Bengue, mon frère, non. On a de ramener en Côte d'Ivoire. Non, c'est là-bas il y a la violence. Ici, non, il n'y a pas de violence. Voilà. Vous avez vu tout ça animé. Il lance ses cahiers, c'est la vie. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Parce que ici, là, nous sommes civilisés. Voilà. On veut les débats d'idées. Débats contradictoires. Il ne sait pas d'accord avec toi. Il ne sait pas d'accord avec toi. Mais vous, vous êtes violents. Et puis, ce qui me fait mal, vos mentors encouragent la violence. Moi, on ne sait pas pourquoi. On vous a formaté ou bien on vous a endoctriné. Moi, je ne vous comprends pas. LDI, je sais pas si c'est malédiction, c'est pas une injure, mais c'est un constat. C'est pas une injure. Même les blancs diront ça.
Mais pourquoi ces partisans de Ouattara sont violents? Même partout, vous voyez, même votre ministre, il est violent. Votre ministre est violent. Quelqu'un vient et demande, monsieur le ministre, vous êtes content d'être en France, marchez tout librement, tandis que vous emprisonnez les députés. Mais vous devez répondre carrément pour dire, monsieur, je ne suis pas ministre de la justice. Mais carrément, arrachez-lui son portable. Tu t'es cru entre toi conquis. Vous êtes cru à Bobo, c'est ça. Mais si c'est un pays de droit, c'est un pays de liberté. On dit liberté d'expression. C'est comment, Carole, Mistine, c'est comment? RSK, c'est comment? Si c'est un pays de droit, on dit liberté, fraternité, égalité. C'est ça la France. Ouais. Voilà. Ouais. Ou bien, n'est-ce pas, monsieur? C'est vrai. Ah, c'est vrai. T'as raison, mon frère. Ouais, ouais. C'est vrai. Ici, c'est un pays de liberté, fraternité, égalité, monsieur. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Donc si Ibra, il a le plein droit de dire, Adjoumani, même s'il insulte, c'est Adjoumani qui doit être civilisé. Il doit dire, non, monsieur, je porte plainte contre ce citoyen-là pour injure publique. Ça peut se faire. Voilà. Ça peut se faire. Mais non seulement c'est Adjoumani qui subisse un bandit. Et comme ça ne suffisait pas, pour lever son affront, on complote une agression, voire un assassinat manqué pour aller ôter la vie à un citoyen ivoirien qui a voulu des comptes du ministre. Et l'illettré là dans sa vidéo, il dit, mais ils font quoi au palais de la culture? Ils font quoi? Mais ici c'est en France, c'est les Ivoiriens, ils peuvent se promener partout où ils veulent. Voilà. Même un Sierra Leonéen, il pourrait aller au stand de Côte d'Ivoire. Et puis à Foy, c'est comme ça. Mais vous comme des chiens, ils font quoi ici? Ils font quoi ici? Parce que le ministre est là, ils sont là. Mais c'est normal, ils sont venus voir le ministre. Eh bien, ils sont venus voir le ministre. C'est le compte du vol, c'est tout. C'est le compte du vol. Maintenant, vous prenez l'engagement de les frapper. Mais vous allez en partie. Voilà. Vous allez en partie. Ici, c'est la loi, c'est la justice, vous allez en partie. Voilà. Avec la fille là, Gouza Naounou là, tu as vanté aussi les mérites de ce gars-là. Donc, vous, en fait, c'est un truc conspiré. Voilà. Vous avez minutieusement pensé votre agression. Voilà. Et l'instigateur de l'agression, c'est M. Adjoumani. Ce n'est pas diffamation. Voilà. C'est vous qui avez instigé cet assassinat manqué là, M. Adjoumani, ministre Adjoumani. Voilà. On me dit là, non, c'est diffamation. Non, ce n'est pas diffamation. Parce que ce n'est pas la diffamation. Pourquoi est-ce que vous devez supprimer votre vidéo? Voilà. La vidéo où les gens s'en réjouissaient, vous devez supprimer la vidéo sur votre page. Pourquoi? Répondez à ça. Donc ça prouve que vous avez glorifié les criminels là. Vous aviez validé l'acte qu'ils ont posé. En temps normal, le ministre il a dit non, nous sommes tous Ivoiriens. En bon homme pensé, non, je ne voulais pas qu'autour de moi, il y ait la violence. Voilà. Certes, le gars, il a eu une manière, selon vous, irrespectable de m'accoster, mais c'est normal, il est un président public, laissez-le dans sa posture. Voilà, je le comprends. C'est un jeune de garez. C'est comme ça, le ministre parle. Même toi, le ministre, il dit, assez portable. Et comme ça ne suffisait pas, tu t'en formes ton petit gang de Gossi gang là, aller attaquer quelqu'un. Et en plus, encore, tu t'en glorifies sur ta page Facebook. Maintenant que c'est chaud, tu supprimes. Il faut assumer, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, assumez. Voilà. Donc, récapitulatif. Politique à Sepanyaga. Quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Militant de RSDP. Vous voyez. Adjoumani, il va laisser le gars là. Kadoba, il ne le connaît pas. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas c'est qui. Il dit qu'ils font sécurité. Il ne sait pas c'est qui. Parce que le gars n'a pas papier. On dit, mais Adjoumani, pourquoi tu prends quelqu'un qui n'a pas papier pour te surveiller? Donc, tu fais du travail dissimulé. Hein, là, vous empêchez les gens de dissimuler, vous faites rien de dissimuler. Adjoumani ne veut pas tenir son image, il ne veut pas son image à des délinquants. Donc, il m'a dit non, lui, il ne le connaît pas. Que vous voyez, c'est deux gars de fort, c'est deux gars de corps qui sont là, lui, il ne le connaît pas. Ces gens, ça, c'est des petits mendiants, ils sont venus là pour des mecs, c'est tout. Ça va? Oh, calme. Voilà. C'est ce que le ministre dira. Quand on va l'entendre, c'est ce qu'il dira. Toi, comme ça, on t'a lâché cadeau. Dans ton bon bengue, tu es venu, tu as pris l'eau pour venir à bengue, on est resté tranquille. On est resté tranquille. Toi, tu veux te jouer le louba. Nous, on est gendarme, mon tchaï, mais quand on voit quelqu'un. C'est Thierry de Facebook. Quand on est là, on dit, hey, mon cher, ça c'est Facebook, ça c'est parole, c'est bouche-parole. Oui. Ici, on ne se bat pas. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est quand tu m'attaques, il peut me défendre. Ah, mais ça c'est papa. Ici, c'est Facebook, on lance les Thierry. Hey, tu l'as essayé, t'as trouvé, t'es cassé la machine, mais c'est connerie. Chacun lance son Thierry. Parce que nous ne sommes pas l'état de nature. Mais toi, ils t'ont blagué. Et puis, ce qui est bête, comme un chien, tu t'en vantes. Ouais, c'est moi qui l'ai KO. Le ministre là, il va rien te donner. Après, il y a 50 euros. Tu as fait prison. Non, pas prison. Rapatriement en Côte d'Ivoire. Parce que si tu fais prison, ça ne va pas me plaire. Soit tu es en prison, ça ne va pas me plaire même. Parce que tu as mis ton compteur aussi. Non, ok, on t'a fait combien d'années à peine? Ah, il a fait deux ans. Deux ans. Non, 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 c'est pas bon ça. En Côte d'Ivoire, c'est la meilleure prison.
Là-bas, ils n'ont qu'à te libérer, mais c'est mieux que tu es là-bas. Voilà. C'est mieux là-bas, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a clôturé ce chapitre. Combien de minutes? 40 minutes. Bon. On passe au deuxième volet de la vidéo. On a vu une vidéo sur la toile où un berbère qui était ivre dans un état d'ébriété avancé s'est mis à bastonner, à rouer de coups un agent dépositaire de la loi, un agent, c'est-à-dire un agent assermenté, un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Ce berbère l'a tabassé. Voilà. Il s'est cru en territoire conquis. Et on a vu des vidéos de réaction pour dire non, ne fais pas de l'amalgame, que c'est pas un berbère, que c'est pas un Libanais, que c'est un berbère. Voilà, que ne propagez pas les discours haineux. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Voilà. C'est parce que il y a Facebook que ces trucs-là ne passent plus inaperçus. Voilà. Moi, je sais de quoi je vous parle. C'est parce qu'il y a Facebook que ces trucs-là ne passent plus inaperçus. Parce qu'en hors-jeu, il y a un gars qui est portable comme ça. Et puis, il filme. Voilà. C'est parce qu'il y a Facebook que ces cas d'humiliation des corps à billes-là ne passent plus inaperçus. Voilà. Et moi, le pouvoir que je respecte pour avoir restauré l'image de Corabier, il y a le pouvoir du premier président Félix Houphouët-Boigny et il y a le deuxième président Henri Conan Bédier. Voilà. Bon, le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Conan Bédier, le chef d'État, le général Guéhi. C'est ces trois hommes politiques qui ont eu de la considération, qui ont voulu que la population ait de la considération pour les corps habillés. Voilà. Ces trois hommes politiques-là, c'est eux qui ont voulu que la population ait du respect pour les corps habillés. Sur le temps d'Oufoué, tu ne peux pas faire ça. Tu es Daba, tu es Maté, prison. Voilà. Si tu es résistant, tu fais prison. Sinon, sois à ta godo-godo là. Tiga. Bédier, il a créé BAE. C'est à cause de qui? À cause des étudiants. Puisque tellement que c'était écrit, ils ont nommé BAE. BAE. B. Bédier. A. Attaque étudiant. Bédier a maté les étudiants. Il a maté. Il a installé le respect. Un corps habillé, tu le respectes. Gay même, on n'en parle pas. Quand il est venu là, voilà. Un petit PC Chris, il peut poursuivre 1000 personnes au quartier, puis ça ne va pas quelque part. Voilà, un PC Chris, un commando gendarme, il frappe tout un. Bonjour. Un commando gendarme, il peut frapper tout le quartier. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que, voilà, ils étaient respectés. Mais, où ils ont commencé à dégrader l'image de Colabier, où ça a commencé à se détériorer, c'est sur le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Voilà. Où ça commence à se détériorer, c'est ce que le Laurent Gbagbo. Ouattara même lui l'a tué ça. Voilà. Il sait de quoi il parle. Parce que sur le pouvoir de Gbagbo, on a été humiliés, nous. Nous, on a été humiliés par des étudiants, même on a été humiliés par les étudiants. Tu parles à étudiant, et monsieur, t'as plaisanté. Il dit, toi, jeune homme, c'est pas, quoi. Et puis là, putain. C'est sur le pouvoir de Gbagbo, nous, on a vu étudiants aller attaquer le commissariat. Attaquer le commissariat. Et puis, il n'y a rien derrière. Voilà. C'est ce que Ouattara continue. Voilà. Ça a commencé sur Gbagbo. Et Ouattara, nous, c'est le last. Voilà. Si Gbagbo, là, on se défendait un peu. Mais si Ouattara, il n'y a pas de défense. On est sans âme. Mais si Gbagbo, là, quand elle essayait, non, les Daba. Mais malgré, c'est le. Mais pourquoi c'est l'audace qu'il prenait là? Pourquoi des civils peuvent avoir le courage d'aller attaquer un commissariat sous prétexte que non, un étudiant a été mis en garde à vue? Voilà. Et c'était cautionné, hein. Voilà, c'était cautionné. Les gens cautionnaient ça. Un coup de fil seulement, libérez-le. Voilà, non, barrage. Tu sais qui je suis. Quand on bloque camion de Bouvier, on dit, mais vous n'êtes pas pièce.
appelle quitte en haut. Mangou appelle, hey, laissez-les quitter, laissez-les passer. Convoi humanitaire. Mais ça quitte où? Il n'y a pas de guerre au Burkina. Il n'y a pas de guerre au Niger. On dit convoi humanitaire, on prend plein de bouviers qui rentrent en Côte d'Ivoire. Sans qu'ils ne soient contrôlés. Mais vous attendez à quoi? Mais forcément, il y aura rébellion. Parce que les camions passent, on veut les contrôler, on dit on est racketeurs. Mais vous oubliez que les grands racketeurs, c'est les anges qui s'y. Les grands racketeurs, c'est les juges. Parce qu'on connaît encore du voir. Quand tu es ton problème, c'est les juges qui font ça. C'est les juges qui demandent l'argent pour qu'on puisse traiter ton problème. Voilà. Maintenant, si les Libanais, voilà, parce qu'il n'y a pas les Libanais, et ils se plaignent, on dit non, que ce n'est pas les Libanais. Mais les Libanais, voilà, nous en Côte d'Ivoire, là, non, on connaît pas Maghrébin. On ne connaît pas Tunisien, on ne connaît pas Algérien. Nous, on vous appelle Libanais. Voilà. Nous, on vous appelle Libanais. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez terni l'image de ces gens-là. Sinon, en Tunisie, là, il y a Ivoirien là-bas. Il y a Ivoirien, ils vivent bien là-bas, ils sont à l'aise. Mais est-ce d'avoir pays, est-ce d'avoir pays Liban là? Est-ce Ivoirien à l'aise là-bas? Au Maroc, il y a Ivoirien là-bas. Ils sont à l'aise là-bas. Mais est-ce vous d'avoir pays Liban là? Est-ce que Ivoirien à l'aise là-bas? Il y a Algérie, il y a Ivoirien là-bas. Ils sont un peu à l'aise là-bas. Mais est-ce que vous devez payer le Liban là? Et ils sont à l'aise là-bas. Voilà. Donc quand vous dites non, que c'est pas un Libanais, c'est un Tunisien. Et c'est vous qui avez terni l'image de ces gens-là. Par votre pratique en Côte d'Ivoire. Par votre mépris pour les corps habillés. Par votre mépris même pour les citoyens. Parce que vous avez l'argent. Parce que vous êtes des adeptes de la corruption. Moi, je ne suis pas surpris. Si vous avez prospéré la corruption, mais c'est à cause de nos gouvernants, voilà, nos juges corrompus, là. C'est eux qui vous ont donné la force. Voilà. Et moi, je me rappelle sur le temps de Gbagbo, il y a un Libanais qui a enlevé le pistolet, puis il a tiré sur un gars, je ne sais pas où. Au groupement foncier. Libanais a enlevé le pistolet, et puis il a tiré sur un homme, il a tué. Et puis, ce n'est pas allé quelque part. Pourquoi? Parce qu'il a. Il a le pouvoir d'achat. Non, à un moment donné, là, quand les gens, ils vous tiennent par le collet, par l'argent, mais autrement dit, il aura un mépris pour la population. Voilà. Sinon, autant de bédiers, autant d'oufoué, il n'y a pas, c'est ton Libanais, c'est ton comment. Tu n'as pas les policiers, tu as les giflets, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Autant d'oufoué, les Marocains voulaient payer le quartier Maroc. Vous faut dire, hé, les champions, nous n'est pas dans ça. Certes, on est hospitalier, mais vous n'êtes pas vous agglutiner dans un coin pour dire, ouais, vous êtes que les Marocains, ça n'existe pas. Voilà. Sous le temps de Oufoué, ça n'existait pas. Mais ça a pris forme sous le temps de Gbagbo. Voilà. La corruption des Libanais au gradé de l'armée, tel que les anges qui sont ici, là. C'est ça qui envoie ce comportement-là. Sinon, en temps normal, là, s'il y avait de la rigueur, là, s'il n'y avait pas de la corruption, un Libanais ou bien quoi ne peut pas s'arrêter là pour venir gifler quelqu'un. Voilà. Donc, il ne faut pas me mélanger. Parce que les gens pensent que je vais juste apposer. Ils ont intéressé les Libanais. Ce gars-là, ce n'est pas un Libanais. Non, c'est un Tunisien. Il s'appelle Issédine. Issédine, quelque chose de bizarre. Mais moi, je m'en fous de son nom. Voilà. Mais si on accuse les Libanais, c'est normal qu'on vous accuse. Parce que vous savez que c'est vous qui êtes indexé. Quand il y a des dérives des Maghrébins, quitte à vous qui veut donner le meilleur exemple, vous devez prêcher la non-violence. Vous devez prêcher la non-maltraitance dans les pays où vous êtes. Mais vous, au contraire, vous illustrez d'une mauvaise manière. Dans Côte d'Ivoire et dans votre pays aussi. Et dans votre pays, quand les Noirs sont pris en partie, vous ne faites pas des vidéos pour dénoncer. À part quelques-uns qui le font. Dans votre pays, là-bas, là, au Liban, là, quand les Noirs sont frappés, on brûle leur con, là. Il n'y a jamais un Libanais qui fait vidéo pour. Il n'y a jamais un Libanais qui fait vidéo pour ça, pour dénoncer en Côte d'Ivoire ici. Mais vous faites des va-et-vient, là, Liban, Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne dites pas à vos compatriotes de marcher pour dire non, on veut pas du racisme au Liban. Vous ne le faites pas. Donc si c'est quand les figures arrivent là, c'est vous on connaît. C'est vous, nous on connaît pas Tunisien en Côte d'Ivoire. On dit c'est Libanais et Syrien. Voilà, nous c'est vous on connaît. C'est vous on connaît. Donc ne dites pas que non, c'est pas un Tunisien, c'est un Libanais. Eh, c'est la même chose là. Voilà. C'est la même chose là. Parce que c'est vous qui avez commencé à planquer et vous suivez. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir d'achat. Vous réussissez à toujours corrompre les gens. Voilà. Un Libanais, tu te rends pour un Libanais. Il te fait un licenciement abusif. Il doit te payer tes droits au moins 1 500 000. Mais le Libanais, tellement qu'il est mauvais, il s'en envoie un juge. Il s'en corrompt un juge 3 millions pour ne pas payer tes droits 1 500 000. Vous voyez? Et nos juges là, conçoivent ça. Nos juges conçoivent ça.
Mais c'est normal qu'ils ne vont pas respecter quelqu'un. Comment quelqu'un, si le pays est sérieux, vous êtes sûr que quelqu'un qui est en état d'ébriété avancé peut prendre une voiture? Jamais. Est-ce que quelqu'un, si le pays est sérieux, est-ce que quelqu'un qui est dans un état d'ébriété avancé peut prendre le volant d'une voiture? Jamais. Mais il y a la corruption. On me dira que non, c'est les corps habillés qui sont la base de la corruption. Hé! Non, on n'est pas la base de la corruption. Hein? Non, on n'est pas la base de la corruption. Les grands corrupteurs, c'est eux qui sont en haut. Voilà. C'est eux qui donnent les laissés passer fallacieux à leurs camarades. C'est eux les corrupteurs. Nous, on n'est pas la base de ça. Nous, on fait notre travail. Voilà. Avec un mec salaire. Mais le gars, il a une infraction. Il dit, mon champion, il sait une infraction, tant, il sait qu'il est bizarre, bizarre. Il dit, m'en tient 20 000. Parce que vous êtes ici pressé. Il sait pas les familles dans bizarre, bizarre. Mon frère, il va accepter les 20 000. Parce qu'en tant que gendarme même là, quand tu rentres à l'école de gendarmerie là, on te donne deux treillis. Ton deux treillis là, c'est pour jusqu'à ta mort. Toi qui dois payer ton treillis. Oh, les policiers là, chaque deux ans, on change leur treillis. Les militaires, forces spéciales, eux-mêmes, c'est chaque mois, on change leur treillis. Mais un dessin animé qui est maigrileux, son salaire même, Ange Kessy vole ça toujours. Il a au moins va avoir 100 000 le mois prochain. Un gars vient, il n'est pas en règle. Et puis il dit non, il te donne 50 000. Ah, de laisser quoi? De laisser 50 000 là. Ah, les gars, vous aussi. Va laisser ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on est corrompu. Voilà. En France, ici, là, ils ne sont pas corrompus. Pourquoi? Parce que le salaire est rehaussé. Voilà. Le salaire, il est consistant. Ça peut être suffi, le salaire. Donc, on a plaqué un policier français ici. Il n'y a pas de corruption ici. Ça ne peut pas exister. Même s'il est payé 1200 euros, d'abord, il y a la mentalité. Tu as dit non, ici, l'infraction tient 2000 personnes. Ça n'existe pas. Il va te couvrir. Donc, d'abord, il faut une sensibilisation. Voilà. Il faut une sensibilisation à travers la population. Voilà. Et dans les différents bureaux pour stopper la corruption. Mais ce n'est pas les policiers qui sont à la base. C'est les Ange Kessy là. Les Mangou là. Les Adama Bouktogo là, c'est eux qui sont les corrupteurs. Voilà. Les Drama Ouattara, c'est eux qui sont les corrupteurs. Non, c'est pas nous. C'est pas nous le corps habillé. Nous, on nous voit parce qu'on est sur la route. On a une petite table où on s'y prépare et peut lui donner pièce. Mais eux, ils sont dans les bureaux là-bas, là, de la justice là, pour faire cette fois une nationalité là. Il faut payer. Les gens payent, on ne dit pas le contraire. Même à l'hôpital, il y a la corruption. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Et c'est du corps habillé, on parle. Voilà. Mais un gars. Un policier qui est en service, qui n'a pas d'âme. Mais c'est normal qu'il soit bastonné. C'est normal qu'il soit bastonné. Parce qu'il n'a pas d'âme. Tu as influencé qui? Regarde, notre première mission, c'est quoi? C'est montrer la force pour dissuader. Montrer la force pour dissuader. Mais le corps habillé, la force, c'est son pistolet. S'il n'a pas de pistolet, il est zéro. Le corps habillé, s'il n'a pas de pistolet, il est zéro. Donc, il dissuade comment? Il dissuade comment? Non, Hermas, il sait ça. Il sait qu'à chaque règle, il y a une exception. Mais ce n'est pas une corruption galopante comme en Afrique. Voilà. Voilà. Ce n'est pas une corruption galopante comme en Afrique. En Afrique, il y a ces galopants. Voilà. Donc, c'est ce qu'il disait. Donc, ce Tunisien-là, il a eu l'audace de gifler un policier. C'est passé dans toute coutume. Il a dit non, je connais quelqu'un. Je connais ton patron. Je connais ton boss. Je connais le juge. Donc c'est ça, c'est du chantage. C'est du chantage. Et nous, on était tous chantés comme ça au temps de Gbagbo. On était tous chantés. C'est eux qui connaissent quelqu'un. Et puis quand ils connaissent quelqu'un, c'est vrai, hein? Quand il appelle coup de fil souvent, commandant, les autres appellent. On appelle ton chef. Boya, si c'est Malik, vous faites quoi là-bas là? Laissez ces pièces. Voilà. Donc, c'est ça qui encourage ces personnes-là à nous gifler sur la route depuis à rien. Voilà, parce qu'ils connaissent son patron. Donc le gars, vous n'avez pas être renvoyé aussi. Il ne peut pas taper. C'est parce que le gars là, le policier qui l'ont giflé là, c'est parce que la clameur publique, c'est-à-dire la foule, était offusquée. Raison pour laquelle, pour lever l'affront, il a sabat le Tunisien là. Sinon, s'il était deux comme ça là, il n'avait rien fait. Il avait pensé à son patron pour dire, ah, ça c'est fait, mon patron me punit. Mais il a un visage. Moi, tu es animé. Même s'il n'y a pas âme, tu n'as pas cœur de lever la main, Simon. Il y a longtemps, casser ta mâchoire. On me dit, mec, mais tu n'as pas pu casser ta mâchoire. Avec raison, tu as mis le mot treillis.
Jamais, ça passe pas avec moi. Moi, ça passe pas. Voilà, moi, c'est pas bouche-parole. On me connaît pour ça. Dans mon camp, on me connaît pour ça. Je suis très calme, mais j'aime pas l'humiliation. Moi, on ne m'humilie pas. Voilà. Et pour redorer ma dignité, même si ma vie, là, c'est ma vie, laisse ma vie. Hein. Voilà. Moi, l'humiliation, ma dignité, j'aime pour ma dignité. Voilà. Moi, pour ma dignité, si je mets à mettre le prix pour ma dignité, s'il faut que mon sang coule, mon sang doit couler. Pour moi, ma dignité, parce que j'aime pas l'humiliation. Voilà. Et j'aime pas l'indignation aussi. Voilà. Mais ces gens-là, ils n'ont pas âme. Et un Libanais comme ça, il le gifle. On dit que ce n'est pas un Libanais. Hey, c'est un Libanais. Parce que c'est vous qui connaissez cette pratique à humilier nos citoyens qui travaillent chez vous, dans les sociétés, à la zone. Vous les humiliez. Yala, 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 yala. Vous les prenez comme des esclaves. Donc nous, là, c'est le nom qu'on connaît Libanais. Nous, on connaît pas Tunisien. C'est Libanais, on connaît. Donc ce qui se passe, même si les Tunisiens ont dit, ah, c'est Libanais. Après, vous fâchez, non, que ce n'est pas un Libanais, que c'est un Tunisien. Mais vous devez changer. Voilà, c'est vous qui devez changer votre pratique là, avec nos frères. Voilà. C'est vous qui devez changer vos pratiques avec nos frères. Sinon, nous, on sait qu'en Tunisie là, Ivanin vit bien, il est à l'aise là-bas, il vit bien. Voilà, je n'ai petit bois de nuit là-bas. Voilà. Au Maroc même, Ivanin vit bien, je n'ai petit bois de nuit là-bas, et il s'en gêne. Nous, on connaît les gens qui sont au Maroc, ils vivent bien. Algérie, on connaît. Mais dans votre pays, Liban, est-ce que Ivanin vit bien là-bas? Il ne peut pas vivre bien là-bas. Jamais vivre bien là-bas. Voilà, donc ne dites pas que non, c'est pas un Libanais, mais c'est un Tunisien. Hey, c'est vous qui avez commencé à gâter, c'est vous qui avez sali l'image de ces gens-là. Voilà, donc c'est vous qui devez redorer l'image de ces gens-là. Voilà, à travers vos comportements. C'est vous qui devez redorer l'image de ces gens-là à travers vos comportements. Et c'est quoi le comportement? Vous devez sensibiliser votre frère. Vos frères-là, vous devez sensibiliser pour leur dire non. En Afrique, c'est là-bas qu'on tire nos richesses. Donc on ne peut pas clasher dans la soupe, on ne peut pas clasher, on ne peut pas chier où on mange. Mais vous là, vous chez vous mangez pourquoi? Parce que vous connaissez quelqu'un. Non, je connais le juge. Non, je connais le procureur. Quand on parle, non, monsieur le procureur, c'est ça, du chantage. Voilà. Donc quand on connaît le procureur, c'est normal qu'on gifle le monde. Parce que le procureur, il va agir. On connaît le procureur, on a le numéro de Ange Kessi, on a le numéro de Kessi Marcel, on a le numéro de Adama Bictogo, on a le numéro de Ouattaro, on a le numéro de Tantanta, on a le numéro de tout. Donc on s'en fout. On a un carnet d'adresse, comme le président, comme il a dit. Moi, Ouattara, j'ai le carnet d'adresse. Mais ton carnet d'adresse, on a pris ça. Soro a fui ton carnet d'adresse. Grand Ouattara, Soro a ton carnet d'adresse, il a volé ça, il a fui ça. Numéro là, il a tout effacé aussi. On va qui t'a appelé. En 2020, on va qui t'a appelé. Voilà. Les Libanais là, ils ont un carnet d'adresse. On s'en fout de ça. Alors, ils ne peuvent pas devenir nos pays. Maintenant, Ouattara, qui a un carnet d'adresse là. On a volé ton carnet d'adresse. Soro a pris ça. Et on va voir ce qui se passera en 2020. Donc, pour récapituler, pour ne pas être trop long, voilà. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a la corruption galopante. Voilà. C'est la corruption qui fait que ouais, des gens peuvent se lever pour porter main à un policier. Ça, c'est la corruption. Voilà. Et aussi, c'est le manque d'armement qui fait que des gens peuvent se lever pour venir gifler un policier. Parce qu'ils ne sont pas armés. Or que la force d'un policier, d'un homme en âme, comme on le dit, on dit un homme en âme. Sa force, c'est l'âme qui porte que sa force. Mais les gens ne sont pas armés. Et on dit que c'est des hommes en âme. Non. Un homme en âme, c'est sa force, c'est quoi? C'est la dissuasion à travers son âme. Il faut dissuader. Voilà. On dissuade d'abord. Avant de réprimer. Voilà. Et avant de réprimer, on éduque d'abord. Voilà. D'abord, quand on constate une infraction, on éduque d'abord. On passe à la phase éducative. D'abord, on dissuade. On éduque. Et après, on réprime. Mais le gars n'est pas dissuadé. Il fait comment? Ils vont le gifler. Ils vont le gifler. Comme il a le numéro du procureur, il peut même boire assez de Jack Daniel. Il va monter sur sa voiture. Il va rouler. Même si on arrête. Ah, monsieur le procureur, tes policiers là m'ont arrêté à ces barrages là. Tes policiers là, là, ils m'ont arrêté à ces barrages là. Eh, monsieur le procureur, moi je suis pressé là. Il faut faire, yala, ils vont quitter là. 2 minutes qu'il parle, boum, boum, policier à son portable sonne en même temps. Il tremble comme ça. Oui, comme ça. Eh, laisse-le, moi, voilà, laisse-le. Un gars qui est saoulé, on le laisse. Ça, c'est la corruption. Ça, c'est la corruption. Donc, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si ils gifle les gens, les corps à toi à travers. C'est pas dans les numéros là. Dans les carnets là. Ils ont le numéro du procureur. Ils ont le numéro du juge qui est là pour leur couverture. Pourquoi? À cause de la corruption. Donc là, si notre image est ternie, c'est pas de leur faute. Hein. Voilà. C'est nos dirigeants là. C'est eux qui ternissent notre image. Voilà. Et ça va commencer aujourd'hui. Hein. Voilà, sous le temps de vous faut, ça a commencé.
Mais où ça a pris effet là, où ils ont commencé à manquer de respect au corps habillé, c'est sous le train de Gbagbo. Voilà, ça encore c'est de la vérité. Moi j'étais corps habillé, c'est de quoi il parle. Sous le train de Gbagbo là, c'est là que ça a commencé. Et maintenant à la fin Ouattara lui là, il a tué même. Lui-même c'est le là, c'est là-bas. Sous là ça a commencé sur le train de Gbagbo. Voilà, comment étudiant lui se voit, comment étudiant lui s'est attaqué commissariat. On n'a jamais vu ça. Étudiants s'attaquer comme ça. Sauf peut-être que non, ils ont mis un de leurs éléments en garde à vue. Voilà. Parce qu'ils ont les numéros. On peut appeler Soukoutre maintenant, on peut appeler Bleu Goudé, on peut appeler Kouyo Yves, et Kouyo Jean-Yves Kouyo, on peut appeler tout parce qu'ils ont les trucs. Donc ça, il faudra passer à la répression pour éduquer. Voilà. Il faudra passer à la répression. Un gars qui a un comportement qui n'est pas catholique, on le minique. Voilà. Il faut chicoter. Voilà. Il faut chicoter. Voilà. Moi, c'est ce qu'on supporte la gendarmerie. On va chicoter, on doit vous éduquer. Voilà. C'est l'Africain, c'est elle est chicote, il faut l'éduquer. Voilà. On doit vous chicoter. On doit vous chicoter et c'est ça qui doit rentrer. Voilà. Ça, là, moi, c'était moi le Libanais là. Il y a longtemps, mais il a cassé sa mâchoire, mais il est pris, il est trié, il est jeté comme ça. Aïe! Même policier, même vous avez vu dans la vidéo là. Dans la vidéo là, le policier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacré le gars et puis il a mis à terre et puis il a calé son pied sur lui. Pendant que c'est le vigile, lui le metteur, bouilla, pour faire ça, bouilla, mais pour ça, il n'a pas qu'air. Mais sur le temps, encore son patron a dit, mais tu l'as mis à terre, est-ce que tu es obligé de taper? Vous voyez? Là, le policier, il a été passif. Mais il pense à sa carrière, il ne faut pas le punir. Il ne faut pas vraiment l'amener à Korogo pour dire, ah, ça veut dire que tu es habillé, que tu siffles, vois-tu, que tu tapes les gens. Moi, tu as amené à Korogo ou bien à Teini. On voit si tu as raqueté encore. Donc, le policier, il a peur. Ma gueule, on tapait là. Il a ça quoi le gars, il a mis à terre, il a touché. C'est le vigile qui a tapé. Oh, Dieu là. C'est le vigile qui a tapé. Voilà. Donc c'est ça. Donc s'il y a un manque de respect, c'est pas la faute aux policiers. C'est pas la faute aux policiers parce qu'on raquette trop. Non, c'est pas leur faute. Donc attends, stop. Maman, tu l'as ramené un paquet de chips. Tiens. Ça va combien de minutes là? Ça va combien de minutes là? Et je vous passe que vous ne me payez rien, mais que votre place. Et non, la prochaine fois, vous m'avez payé. Non. Mais tu n'as pas le droit. Bah voilà. Ça va combien de minutes là? Et puis on coupe là. On coupe la vidéo. Hein? Combien de minutes, les gars? Voilà, donc c'est ça, à 58 minutes. Bon, on fait à 1h05. Voilà, donc c'est comme ça. Donc s'il y a un manque de respect, c'est à cause de la corruption. Ouais, c'est à cause de la corruption, voilà, parce que nos gens, ils sont corrompus. Voilà, nos policiers, ils sont corrompus. Voilà, c'est ça qui fait que, ouais. Un berbère peut gifler un policier. Sinon, tu crois c'est quoi? Quelqu'un qui a la tenue de militaire, toi tu vas l'humilier. Un gars qui est dépositaire de la loi, toi tu l'humilies, qui en trahit. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que dans la corruption, eux ces derniers, ils comptent sur son carnet d'adresse. Parce qu'ils connaissent le procureur, ils connaissent un tel juge. C'est ça. Voilà. Donc, il faut que ça change. Faut pas en dire non, les gars sont humiliés, mais c'est parce que nous-mêmes. Nos patrons, ils veulent qu'on nous humilie à cause de la corruption. Voilà. Donc, sur ce, les gars, j'ai été ravi de partager ce direct avec vous. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire va de mal en pire. Par rapport à ce qu'on voit là, la violence inouïe qui s'exporte à l'international, même nous, on pensait qu'ici, on était. On était à l'abri, on n'est pas à l'abri. Hein. Nous, on pensait qu'on était à l'abri ici, on n'est plus à l'abri. Hein. Donc, on marche maintenant, on marche dans nos caméras.
Voilà, c'est là maintenant, tu t'as en même temps dit, hé, champion, il est filmé. Il est filmé en même temps. C'est là, là, c'est chaud, hein. Et il disait, non, viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire. T'as encore, viens plus en Côte d'Ivoire. Eh, mais viens ici maintenant. Donc, merci les autorités françaises. Voilà. Travaille ici, là. Faut pas faire prison ici. 48 heures de garde à vue. Le 4e jour, on le met dans son avion. On l'amène en Côte d'Ivoire. Voilà, PC fait plus, ça trop me fait mal, ça va bloquer, ça trop me fait mal quoi. Ah, ça me fait mal même. PC, son compte va augmenter. T'as fait qu'on en a Beng, il dit, ah, moi j'ai fait 2 ans Beng. Hein. Ah, ok, c'est 2 ans de prison. Il dit, c'est Beng. Non, va en Côte d'Ivoire. Même là-bas, maintenant quand t'es libéré, ça fait rien. Soit t'es libéré, là-bas, ça c'est mieux. Voilà, là-bas, c'est prison. Prison à ciel ouvert, voilà, là-bas, c'est prison. Mais ici, prison ici, il dit, non, je ne veux pas ça même. Non, monsieur, les autorités françaises, voilà. Ce gars-là, ce sans-papier qui s'est illustré d'une manière violente au salon de l'agriculture à vouloir ternir l'image de la France. Parce que c'est se battre lors d'une manif internationale, c'est ternir l'image de la France. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. Vous voyez, c'est la sécurité. Ils allaient anticiper la bagarre. Mais pourquoi il y a eu bagarre? Voilà. C'est parce que les Ivoiriens, le LHDP, ils ont une manie de pouvoir s'exfiltrer. S'infiltrer dans les manifestations et venir créer la chienne. Et c'est ça qu'ils ont démontré là. Donc, pour avoir terni l'image de la France lors d'une festivité internationale, voilà, ce gars-là, on doit l'amener en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas faire prison ici. Parce que ici, là, même en prison, il sera violent encore. Il va commencer à baiser les prisonniers. Il va les mourir. Voilà, parce qu'il y a un gars qui tape coup de poing pour faire dormir. Ce serait pour baiser alors. Il va taper pour baiser. Voilà, donc, Côte d'Ivoire est bon pour lui. Encore maintenant en Côte d'Ivoire, c'est mieux là-bas. Voilà. Parce que pour ces bengues, c'est trop bon. Il sera trop à l'aise. Comment il va neiger? Il va dire, ah, il a froid. Il fait chaud à Abidjan. Il faut aller là-bas. La marque t'attend là-bas. Non, c'est pas sérieux. On rigole, mais c'est pas sérieux. Ah, mais pourquoi être violent comme ça? Et puis s'en glorifie. Hein. Attends, et c'est là, il y a la vidéo même. Il assume. Il assume. Mais tu vas assumer, le gars. Tu vas assumer bien. Tu vas assumer. Ah, tu vas assumer. J'assume. Ils sont sur le français. J'assume. Il a passé une nuit en prison, il pleut maintenant. Il dit, ouais, je suis pas seul. Il faut citer la noix. Hein. Ta bêtise là. Ah, vous voyez, France, c'est connerie quoi. J'assume. Plaisantin là. Bon, il ne monte pas, c'est bon. C'est pas, moi, j'aime pas être violent, c'est bon. J'aime pas la violence. Bon, montre la violence. C'est pas bon. Voilà. Voilà. Donc, messieurs les Libanais, voilà. Vous dites non, ce n'est pas votre compatriote qui a giflé le policier. Mais moi, je dis c'est vous. Voilà. Parce que sur votre comportement, ils ont pris. Parce que vous vivez en communauté arabe. Voilà. Vous vivez en communauté. Donc, sur votre comportement, ils ont pris. Voilà. Sinon, en Tunisie, là, Ivoirien vit bien là-bas. Ivoirien danse là-bas. Ivoirien maquille là-bas. Voilà. Au Maroc, Ivoirien boit. Ivoirien à bas là-bas. Voilà. Mais est-ce qu'Ivoirien a cœur d'avoir bas au Liban? Ça n'existe pas. Est-ce que. Dis, il va ne plus aller faire chaud au Liban, ça n'existe pas. Voilà, donc, encore, c'est de la vérité. C'est vous qui ternissez l'image des autres là. Voilà, et c'est sur vous et copie. Donc, c'est vous qui avez terni, c'est vous qui avez redonné le blason de ces gens là. Voilà, donc, même si un Somalien frappe un Ivoirien, c'est des Libanais. Mais ils sont clairs. Même si un Éthiopien, un Capverdien frappe un Ivoirien, c'est des Libanais. Voilà, nous, c'est vous, on connaît. Voyez, c'est vous qui êtes violent dans notre pays. Pauvre servante, elle travaille chez vous. Vous payez ses problèmes. Vous la tabassez. Vous brûlez son corps. Voilà. On travaille pour vous. Vous ne payez pas. Vous payez les gens en moyenne de sèche. Quand on veut parler, c'est vous qui êtes le procureur. Eh, monsieur le procureur. Eh, monsieur le juge. Eh, monsieur le commissaire. Eh, monsieur le procureur. Eh, mon lieutenant. C'est vous qui êtes tous les camarades qu'on a habillés. Vous tous, vous êtes camarades qu'on a habillés. Tu vas prendre le numéro des Libanais. Il y a colonel, tant, juge, tant. Juste en entrant, jugette, procureur. Allez, vous voir, pourtant, c'est ça. Il n'y a pas, à part ça, là, c'est pas d'autres numéros. C'est que les procureurs, les juges, parce que vous êtes fort dans la corruption. Vous allez gifler les gens, tirer sur eux, pour dire qu'on connaît le juge. Voilà. C'est ça. Et c'est pas de la faute. C'est pas de la faute aux policiers. Et pour ça, lui, il protège son manger. Alors, il protège son manger, même l'on gifle, mais là, il est là comme ça. C'est quand ils vont crier, mais hé, tu fais quoi? Et en même temps, comme un guéri, la savoir le gars l'a mis à terre. Même quand il le met à terre, encore, il le tape, il met ses pistes comme ça, pour le bloquer.
C'est le vigile là, il s'est tapé là qu'il a giflé. Waya, mais tu as fouté, comment tu dis mes policiers? Waya! Vigile, bien pas toi. Voilà. Donc, dorénavant, les Libanais, c'est vous qui devez éduquer ces gens-là. Voilà. Et vous devez faire des vidéos pour dire non à la violence. Voilà. Parce que dans les pays-là, on se cherche, on mange dans les pays. Par contre, nous, on les empêche de manger là-bas. Donc, on doit être plus, courtois. Mais on ne doit pas les livrer en esclavage. C'est ce que vous faites ici. Donc, quand un cas se passe, ne dis pas que ouais, ce n'est pas Libanais. Non, c'est Libanais. Voilà, c'est Libanais. Quelques rares cas isolés où on voit au Maroc des Marocains frapper des Noirs. Mais c'est rare. Voilà, c'est rare. Voilà. Parce qu'il y a fête là-bas en Tunisie, il y a fête. Ils font fête là-bas. Ah, non, quand les gars sont en Tunisie, ils font fête. Et ils boivent. Au Maroc, ils boivent là-bas. Ils ont boivent de nuit. Il y a DJ Defao là-bas. Mais est-ce qu'au Liban, il y a DJ Ivoirien? Ça ne peut pas exister. Tu es qui même qui a fait fête dans les pays? Et vous, c'est comme ça, vous? Dans notre pays, vous pouvez bien vivre, être heureux. Mais par contre, nous dans votre pays, on ne peut pas être heureux. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc si un Tunisien gifle un policier, ce n'est pas un Tunisien, c'est un Libanais. Voilà. Et c'est vous qui montrez la violence. Voilà. À ces gens-là. C'est vous qui montrez la violence à ces gens-là. Un Somalien, il gifle un militaire, il gifle. Ce n'est pas un Somalien, c'est un Libanais. Voilà. C'est vous qui éternuez l'image, c'est vous qui devez réduire l'image. Parce qu'on voit dans votre pays là-bas, c'est ce que vous faites. Voilà. Nous, on ne vit pas bien dans votre pays là-bas. Par contre, vous vivez bien dans notre pays. Si vous vivez à l'aise, tranquille, vous mourrez dans notre petit go, bien, bien. Mais nous, quand on veut mourir go, vous ne voulez pas. Voilà. Quand on veut mourir go, vous ne voulez pas. Mais vous pouvez mourir dans go. Vous pouvez les mourir. Les mourir seront fatigués. Voilà. Mais nous, on ne peut pas. Donc, ce n'est pas la peine de dire que non, qu'on attise la haine. Ce n'est pas la haine, on attise. On n'attise pas la haine. C'est vous qui avez commencé, c'est vous qui êtes violent. Voilà. Donc, les gens, ils vous suivent. Encore une fois, on ne connaît pas. Encore une fois, on ne connaît pas. C'est maintenant qu'on aime. Les gens essaient de distinguer pour dire ah, c'est les Tunisiens. Sinon, nous, enfin, ce que nous connaissons, on connaît Libanais. Et Syrien. Syrien, mais on ne connaît pas même. Voilà. C'est Libanais, on connaît. Alors, ne dis pas que non, ce n'est pas un Libanais. Non, non, non. C'est Libanais, mon frère. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Vous voyez, en Tunisie, ils sont gentils là-bas. Voilà. Ils sont gentils en Tunisie là-bas. Bon, j'espère qu'il n'y a plus rien à dire. Hein. Ils sont en train de tourner en rond. Ils me répètent là. Je me répète, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Ça va passer. Bon, les gars, Angbala là ou bien Angbala. Voilà. Et Max de soutien au vigile. Voilà, parce qu'il lui au moins il a tapé. Parce que le policier ne peut pas taper. Comprenez le policier, il ne peut pas taper. Il ne peut pas taper. Il ne peut pas. Parce que le juge va dire mais pourquoi tu as tapé? Tu étais obligé, tu aurais dû. Alors que le vigile n'est pas dans les policiers, il l'a mis. Bia, bia, bia. Pas supportable. Oui. Donc c'est comme ça qu'on souffre. Hein. Voilà. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir, avec Gbagbo, c'est comme ça qu'on souffre. Pas la bille, on n'est pas respecté. On dit on est racketeur, on dit on est voleur. Sous Gbagbo, on est pistolet. Si Ouattara n'a plus de pistolet, on nous tabasse sur le banc. On nous tue gratuitement. Si Gbagbo ne nous tuait pas, mais. Étudiants nous attaquaient. Étudiants attaquent policiers dans le commissariat. Moi, j'ai jamais vu ça. Et ils voulaient s'amuser avec nous. Je me rappelle bien à Bobo, camp commando. Au camp commando, là. Voilà. À Bobo, là. Il y a. Ceux qui connaissent, Terminus 49, là. À la cité, là. Il y a un Terminus, là. Terminus 49, et puis, je ne sais pas quel bus, là. 76, 75. Non, 76, c'est des bons 18. Non, 49, et puis 73. Voilà, à Bobo, là. Vers la cité là, c'est quoi le terminus là? 49 et 73, voilà, 49 et 73. Il y a un militaire qui est en tenue, il veut monter dans le bus. Passez nous là, sur nos cartes de gendarmerie là, voilà. On dit toute autorité civile et autorité militaire est priée de laisser circuler librement le détenteur de cette carte. C'est écrit sur notre truc, hein. Sur notre carte de gendarmerie là. Que ce soit police, c'est écrit dessus. Toute autorité civile et autorité militaire est priée de laisser circuler librement ce détenteur de cette carte là. Voilà. Mais en nous-mêmes, ça ne passe pas. Tu es policier. Mais tu es gendarme. Tu as quitté à Noé. Tu as pris deux bouteilles de boisson. Tu as fait fêter ça. Tu arrives à Noé, à la douane. Douanier, il te voit, qui montre la carte. Il dit non, il faut déranger ça. Pourtant, lui, il voit ta carte. Hein. On dit laissez passer le gars là.
Maintenant, il veut forcément le prendre. Moi, il ne m'amusait pas à lui donner là. Qu'ils ne sont pas en règle, c'est mon palache. Mais il les sent, il me sent bien même. Il le tabac même les données là. C'est pas bleu. Il tabac un comme ça. Il dit, mais bon, ensemble. Yeah, on n'est pas ensemble ici. C'est pas bien. Ensemble comment? Vous, à douane, là, quand ça prend Tango, là, est-ce vous, on fait Gézus? On fait Gézus, non? Quand Kouakou il passait, quand le Tango il passait, on fait pas Gézus, non? Il n'est pas la fille de quoi? Il est tabac ça même. Là, il vous expliquait. Voilà. Donc le militaire, il était en tenue vert des militaires là. Voilà, les petits saïrènes là, vert là. Et ils sont à l'arrêt. Mais les étudiants, matin, ils viennent, ils régularisent, ils ordonnent quoi là, ils rendent le truc fluide là, pour monter dans le bus. Là. Ils mettent la fluidité, là, la sécurité. Il faut s'aligner pour monter dans le bus. Dans le militaire, lui, il est en tenue là. On met ça en civil pour comprendre. Après, en civil, c'est pas ça ne fera pas trop. Mais dans, il est en tenue. Donc lui, il vient, les étudiants sont là, il les voit, il dit s'il plaît, il veut passer. Et ils disent pourquoi? Et l'on vient en tri et ils disent pourquoi. Il dit, ah mais, les gars, vous ne savez pas que c'est un militaire. Il dit, quel militaire, allez, fais la queue là-bas. Eh, militaire, fais la queue là-bas. Deux militaires voulaient forcer les étudiants et ils l'ont tabac. C'est comme un président, Jichy Cham. Sam l'Africain, c'est comment? Voilà. Dans les étudiants, ils ont tabac le policier là. Non, le militaire, c'est pas en quelle année, en 2009 ou bien en 2008. Ils ont tabac le militaire là. Ils l'ont mis à sang. Ils ont déchiré son habit. Donc le militaire maintenant, lui, c'est pas à quel sein c'est voué. Et qu'il voit devant lui comme ça, au moins à 300-500 mètres, il voit sur le camp commando. Donc il fait, il vient. Entre, père, son ami, un adjudant, chef Kondo Kalo. Donc l'adjudant vient, il vient voir l'adjudant. Ah, chef, voilà, les étudiants m'ont frappé. Ils m'ont frappé parce que je suis monté dans le bus. Et là, ils m'ont frappé. Donc notre chef, là, lui, dit non. Que, mais, ouais, ils t'ont frappé, que c'est pas, il fallait porter plainte à la brigade. Parce qu'il faut suivre la procédure, ils t'ont frappé, il faut porter plainte à la brigade, comme ça, c'est normal. Voilà. Il dit non, mais ils t'ont frappé, porter plainte à la brigade. Nous, on a regardé notre chef, là. On a dit, mais attends. On a dit, mais chef, c'est fouté, mais c'est quoi? Et l'on vit en comment, et puis on le tabac. Il dit, on a sur la procédure, adjudant. Nous, on met ça en paix, et puis on mange. On s'est réunis au moins à 6 comme ça. On a foncé dans le campus, là, je sais pas, à l'arrêt, là, dans le terminus, là. On a tabac. On a pris renfort. On est rentré dans la cité, pas à Bobo 2, à Bobo 1, là. On a mis la cité à 100. On les a tabac, tiré dans la cité, tabac. Vous savez qu'elle vient de me pardon? Voilà. 3 jours après, c'est Mme Babou, elle est venue, elle était députée. Elle est venue au camp parler avec notre commandant pour dire, ah, commandant, c'est que si, c'est mes enfants, il faut laisser, on dit, voilà. Les étudiants de cette époque, ils se rappellent, c'est pas un. Si 3 jours, ils ont été là-bas, en temps, il y a une petite gomie là-bas. Elle me dit, mais vous venez, elle dit, non, cache-toi, il va cache-toi. On vient là-bas, on va là-bas, on a frappé ce campus-là. On a mis un respect. Voilà. Souvent aussi, il faut avoir l'initiative. Et c'est ça qui est notre force, nous, à Bobo, là. Si vous voulez écouter le chef, là. Mais notre collègue a été frappé, humilié. Il va aller faire brigade pour procédure. Nous, on n'a pas la procédure. Nous, commandons, on n'a pas la procédure. On s'est délégué à 5. On a d'abord le terminus. On a frappé tous. On a vu que ce n'est pas bon. Il fallait qu'on tabac. Tous les étudiants qui sont là-bas, là. On a appelé renfort. Sauf nous, mais. C'est pas, on va pas mettre le cargo, on court, on fait. On est rentré dans les cités, puis comment on fait? La truie, qu'on est rentré en même temps. C'est comme la guerre, pour les dissuader. On a pas tiré, pour les voir sur le clôture. Il y a un mec qui me dit, tu vas où? Chef, pardon, tu vas où? Viens ici là. Marcher sur lui. Tabac lui, rentre dans la cité. Tabac, on a frappé la cité. Sur 3 jours, et on a déménagé. On a mis coup feu sur là-dessus, les cités à Bobo là. C'était qui est collé à chose là, qui est collé à terminus de 49 là. On a d'abat là-bas. Sur 3 jours, on est là d'abat, bien d'abat. Aïe! C'est là, chef qui est venu séparer. Simone Gbagbo, députée des choses, en ce moment, première dame. Elle est venue au cortège, taro au camp. Ah, c'est comme monsieur Goué, capitaine, c'est vous qui êtes le chef du camp, ouais. Tes enfants, frappent mes enfants, c'est qu'ainsi, laissez, entourez, laissez. Ah,
Elle a fait un petit jet. Allez-y. Nous, on s'est fait respecter à Bobo là. Pendant la guerre, ils me connaissent. Ils ne sont pas rentrés. C'est nous, on a dit bon, on décroche. Et puis on a décroché. Abou ne donne pas non. Voilà. C'est comme ça aussi, tu es animé à cette image-là. On ne donne pas non à quelqu'un. Voilà. Moi, c'est quand j'ai été éduqué. On ne donne pas non à quelqu'un. Voilà. Et étudiant qui se rappelle, qui était dans cette cité, il se rappelle. Voilà. Il y a un gars qui est ami de Steve Biko là. Il a appelé Chris Hérin. Voilà. Il prenait lui, il n'est pas dans la cité. Mais il s'en souvient. Il sait qu'on a mis du sec là-bas. Voilà. Chris Hérin. Sur Facebook. Voilà. Demandez-lui. Chris Hérin, là. Il sait ça. Parce qu'on se connaît à Bobo là-bas. On a d'abord la cité là. Sur trois jours, on a mis coup feu à la cité. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord, étudiant à d'abord, un militaire qui voulait rentrer dans le bus. On n'a qu'à faire rang. Le militaire dit, mais ah, vous m'humiliez. Moi, qu'à faire rang. Jamais ça n'existe pas. Faut pas faire rang ici. Ils ont d'abord. La ville s'est plainte au camp. Le chef dit non, on va porter plainte à la brigade. Non, non, on ne connaît pas plainte, commando. Non, on ne connaît pas écrit. Non, non, on va aller là-bas. Il dit, ah, ça c'est vous qui voyez. Non, on s'en fout des punitions. C'est quoi la punition? Vous avez peur, on s'en fout de ça. Courir. C'est près du camp. On part prendre voiture. On a quoi? Des bandades. On shoot tout. On verse tout. L'homme idiot. On frappe tout. Étudiant en civil. On ne sait pas qui est étudiant. Donc, d'abat tout. D'abat tout. On dit, bon, c'est qu'en fait. Comme c'est le camp qu'elle a, l'étudiant qui est là-bas. On rentre dedans, on appelle Rafort. Donc on rentre dans le camp, dans la cité universitaire là. Dans les dortoirs là. On tire maintenant. Des bandades, quand ils sont comme ça, on les prend, on les tape, frapper, on a les affaires. D'abord les affaires. Elle est grosse fesse, les go étudiants. D'abord les fesses là. Bouah. On a bien frappé. C'est la présidente Simone Gbagbo qui est venue me dire pardon. Voilà. Mais papa n'a mensonge. Elle est là, elle peut témoigner. Voilà. Ceux qui sont vivants, ils peuvent témoigner. Des animés, il ne veut pas mentir pour ses yeux, il est intéressant. Voilà, c'est ce qu'on a fait, il dit. Ce qu'on n'a pas fait, il ne veut pas dire. Alors là, on suit sur. Ah, quand même.